donc du coup pour un nouveau trésor du Captain Hook. Vous êtes nombreux à avoir réclamé cette collection de peluches. J'espère que vous êtes prêts. Il y en a beaucoup ici. C'est parti. Donc en premier, on va commencer avec une des premières peluches que j'ai achetées moi-même. C'est un petit Sébastien que j'ai acheté à Disney Store. Moi, personnellement, je l'aime bien. Bon, juste, je trouve qu'il a une bouche un peu spéciale. Mais en soi, il est plutôt cool et j'aime beaucoup. On continue avec un petit Mickey Peter Pan. Voilà, j'aime beaucoup sa petite tenue. Je trouve qu'il a une petite tête super mignonne. Je l'ai acheté à Disneyland Paris pour le prix de 12€ à peu près. On continue ensuite avec un Mini Buzz. Lui, c'est un cadeau. Donc, du coup, bah, je ne connais pas le prix, mais je crois qu'on peut l'acheter à Disneyland Paris. Pas très cher. On continue avec un autre cadeau. C'est une Tiana en forme grenouille. Elle est super sympa. On devait aussi m'offrir Navine en grenouille, mais bon, finalement, j'ai pris. Enfin, c'était soit Navine, soit Tiana. J'ai pris Tiana. La petite souris dans Dumbo. Alors lui, j'ai un doute sur le prénom, Roger peut-être, ou je sais plus, j'ai un doute sur son prénom, si vous le savez, dites-le moi en commentaire. Voilà, enfin moi personnellement je l'aime beaucoup, celui-ci c'est aussi un cadeau et c'est une peluche assez rare, enfin on la voit pas régulièrement. Donc je suis plutôt fier de celle-ci. Ensuite, une des dernières peluches que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, c'est Crush de Nemo. À Disneyland Paris, comme vous l'avez vu dans ma vidéo des soldes, bon, pas très cher. Un petit cadeau aussi d'anniversaire de la part de Mathilde. Un petit Sully. J'aime beaucoup, il est trop mignon. Bon, il est petit, mais il est mignon. Il est cool. Un autre cadeau encore, un Wally. Alors lui, je trouve cool. Ouais, il est sympa, il a une bonne tête, il a une bonne bouille. On ne peut pas le trouver à Disneyland Paris, je sais pas où est-ce qu'elle a pu l'avoir, celle qu'il m'a offert. Mais bon, il est sympa. Pareil, je l'ai acheté en même temps que le Sébastien. C'est un petit pampan que j'ai eu à Disney Store, il était en promo quand on arrivait à une somme, on l'avait pour 10€, bah évidemment je l'ai pris. Hein. Un autre cadeau, et là par contre, bon, ça c'est peluche, poupée, enfin, c'est le fou dans le bossu de Notre-Dame, normalement il a un petit masque, je sais pas où je l'ai mis. Une peluche également assez rare, donc voilà, bon, c'est pas celui-ci, avec celui-ci je vais dormir personnellement, mais il est bon. Une autre peluche qui est sortie il y a à peu près un an à Disneyland Paris, un petit Gus Gus. Il y avait Jack Jack aussi et Lucifer, mais j'ai préféré prendre Gus Gus. Je trouve qu'il est mignon avec ses petites brioches. Une autre peluche qu'on voit pas régulièrement à Disneyland Paris, Jack Jack, des indestructibles. Bon, celui-là c'est un peu relou parce que bah, il tient pas en fait. Je peux pas le mettre sur un meuble, donc bah du coup bah, il dort avec moi tout le temps. Ah, ça c'est un de mes préférés, le roi Louis. Je suis le roi de la danse. Oh, la jungle est à mes pieds. Enfin, franchement, celui-là, je l'adore. En plus, il a une banane. Hop, c'est aimanté. Et hop là, sa banane, elle tire dans la bouche. C'est pas génial? Non, franchement, celui-là, il est trop doux. Hein. Il est roux comme moi. En plus, vous avez vu avec ma barbe et tout. Oh là, il est trop bien. Celui-là, il est trop bien. Ouais, je le garde. Je sais pas si je peux le garder. Ensuite, on a un petit Olaf. Bah, obligé, hein. Olaf, c'est primordial en fait. Tout le monde a Olaf. Voilà. Ensuite, je sais plus comment il s'appelle celui-là dans Plane. Mon petit Roll est tombé, c'est pas. Je sais plus comment il s'appelle celui-là. Stuart, non. Ah, j'ai un doute, Plane, pareil, c'est pas un Disney que j'ai vu régulièrement, que je vois tout le temps. Bah, celui-là, j'aime bien, c'est aussi un cadeau. Il est cool. Voilà. Sans plus, cool. Un de mes préférés que j'ai acheté à Disney Store, Fred. Les nouveaux héros, celui-là, il est cool. Il est trop cool celui-là. J'adore. Non mais j'aurais dû faire dans le trou, ils auraient dû faire, un trou plus gros parce que normalement le trou c'est un trou en fait dans le max. Mais bon, c'est pas grave. Un Cheshire, tout le monde a un Cheshire chez lui, hein, chez soi, excusez-moi. Je pense que c'est évident, hein. Voilà. Enfin, une des plus belles peluches de Disneyland de Paris, je trouve. Elle est douce, la couleur est magnifique. Et il a un sourire qui inspire. Cadeau de Noël, hein. Enfin un des cadeaux de Noël que j'ai eu, pas cette année, c'est l'année d'avant. Magnifique en dragon, j'aime beaucoup celui-ci. Voilà, elle est trop belle. Celle-là, je la pose en général sur le meuble. Un petit Jiminy Cricket. Alors, lui, par contre, il se fait vraiment rare parce qu'on peut retrouver actuellement à Disney, pas à Disney, mais à Disney Store. Mais c'est pas celui-ci. Celui-ci, il a la peau plus verte, il a les yeux en vert. Voilà, il a le petit parapluie et tout. Celui-ci il date de Euro Disney en fait, c'est marqué sur l'étiquette, donc c'est vraiment comme quoi il date d'un petit moment. C'est aussi un cadeau. Nous avons un petit dormeur. Un cadeau aussi. Il est cool celui-là. J'aime bien, avec sa petite barbe, il me ressemble. Ouais, celui-là il est cool.
c'est un qu'on avait, enfin celui-là il date de longtemps en fait. Il était à ma sœur et en fait je lui ai piqué. Voilà. Petit polochon. Voilà. Pareil, c'est aussi un cadeau celui-ci. Celui de Disneyland Paris, il a des paillettes en ce moment. Ça, je préfère celui-ci en fait. Il fait plus polochon. L'autre, il a des paillettes, je pense que ça veut dire. Un visiteur, venez derrière. Ah. Obligé de l'avoir celui-là. Pour moi, c'est. Ah non, celui-là, c'est. Celui-là, c'est vrai que je l'ai acheté avant Sébastien et. Et Pampan. Celui-ci, je l'avais acheté il y a longtemps aussi en fait. J'avais oublié. Ah ouais, je l'avais oublié celui-là en fait. J'ai oublié que ça faisait longtemps que je l'avais acheté. Je l'avais acheté lors d'une visite en fait, ça faisait le... enfin, j'étais avec une copine. Et je me suis dit, il faut que je reparte au moins avec, c'est pas possible. Et j'ai... du coup, je suis parti avec. Je l'avais acheté sur internet, donc du coup, il coûte comme du beurre. Il ressemble à rien du tout, on s'en fout en tout. Cadeau d'anniversaire, un Simba. Voilà. Il est trop beau, il est trop grand. Celui-ci, c'est celui que je dors avec le plus... enfin, c'est celui avec qui je dors le plus, parce que c'est le plus grand que j'ai en fait. Voilà. Là par contre c'est plus du Disney mais je me suis dit autant vous montrer. Donc là c'était quand j'avais ma période un peu manga on va dire. À Japan Expo j'avais acheté un bout. Fantôme dans Mario. Et avec un petit Yoshi noir. Et il s'envole pour de nouvelles aventures. Wouhou. Et dans un magasin j'avais trouvé celui-ci à 2€. Pas cher du tout. Enfin, c'est un dessin animé que je regardais quand j'étais petit, c'est les Aliens Bazar et c'est... Enfin, je trouve qu'il a une bonne tête en fait, il est trop une bonne bouille. J'adore. Du coup, j'étais obligé de le prendre. Voilà. Donc, dites-moi en commentaire lequel vous préférez. Moi, évidemment, c'est la souris de Dumbo, c'est le roi Louis et c'est le Jiminy Cricket. Après, bon, en général, si je les achète, c'est que je les aime bien. Ce que j'aimerais avoir sous peu de temps, ce serait le génie. J'adore le génie. Et ceux de Zootopie, là, il y en a des trop cool. Le léopard, le lion, le paresseux. Ah non, il y en a des trucs trop cool. Voilà, les amis, dites-moi ce que vous avez chez vous en commentaire. N'hésitez pas à mettre des petits likes ou des petits crochets, c'est encore mieux. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à partager et surtout, ciao! Si ma vidéo vous a plu, abonnez-vous. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram.